Salut à tous, c'est Dax et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la 8ème exactement, sur notre map aventure The Forgotten Land. Alors, je vous ai laissé la dernière fois dans une cascade d'eau, et là, cette fois, je me retrouve ici. Vous allez vous demander comment? Bah, tout simplement parce que j'ai tourné deux épisodes avant, et que bah, c'était tellement pas intéressant, il se passait tellement rien. À part que je me suis fait exploser ma maison par un creeper qui a spawné dedans, je ne sais comment. Du coup, j'ai bien ragé, mais je ne l'ai pas reconstruite tout de suite. Donc du coup, j'ai cherché un donjon. Je suis arrivé dans ce biome jungle et j'ai trouvé ça. Je vois que ça bouge dedans. On va aller voir, il y a de l'archer. J'ai vu du creeper. Et on va aller buter. Aïe. Bon, bah pour l'instant, c'est l'archer qui me bute. Viens là, chacal, viens mourir au soleil. Ah, oh, punaise, à peine je saute. Oh là là, il massacre le mec. Allez, on va aller tirer dehors. Allez, viens. Viens, Coco. Alors, on a un spectateur aujourd'hui. Il s'appelle Paquito. Enfin, Coco80. Bon, il a coupé son micro, mais voilà. On a un spectateur pour notre 8ème épisode. Il me massacre, cet archer. À peine je saute. Voilà, il me one shot. Allez, il crame en plus. Parce que j'ai une fire aspect, moi. Et t'es mort. T'es mort. Comme un vieux chien. Toi aussi tu vas mourir là, toi, contre les murs là, que tu me vois pas, je sais pas pourquoi. Ah bah si, il m'a vu, il m'a pré-shot. Ah, il y a du creeper aussi. Ah bah merci, t'as tué tes potes. Ah non. Ouh là là. Ah, bataille d'archers. Ah bah non, ils sont contre moi. Ah mais il y a des spawners. Ah d'accord, on est dans un donjon. Vas-y, va exploser, toi. Merci. Oh là là, il va falloir que je pose absolument des torches. À mon avis, il doit y avoir un spawner de creeper aussi. Et lui, qui me veut que du mal. Ah, il me voit pas derrière les torches. Trop bon, ça. On va essayer de monter là-haut. Monter là-haut, ou monter... Vite éclairer ce spawner de creeper pour pas qu'il me déglingue. Et maintenant on va le casser. Wow. Ah, ça donne du... Ah oui, maintenant quand on casse un bloc, ça donne de l'XP, je crois. Enfin, certains blocs. Le charbon, je crois que ça marche. Enfin, je me rappelle plus, mais là ça vient de me donner de l'XP. Et on a quoi? Une pioche en diamant Unbreaking 3. Ok, j'ai fait tout ça pour ça. Enfin, c'est déjà bien, ça m'économise 3 diamants, vous me direz. Mais bon. Allez, on va continuer notre exploration. Donc voilà, c'était un petit donjon assez simple, on va dire. Je sais pas si c'est considéré comme des donjons, ça. Donc j'en suis à mon... attendez que je réfléchisse. Un, deux... Mon troisième donjon, je crois. Oui, le troisième donjon sur 6. Il m'en manque encore 3 si ça c'est considéré comme des donjons. Donc... Ça doit être un donjon par biome, je pense. Alors j'ai fait le biome montagne. Où j'ai trouvé... Ouais, je pense que c'est ça, c'est par biome. J'en sais rien, franchement, mais je pense que c'est par biome. Alors, j'ai trouvé le spawner du biome... Du biome jungle, celui du biome super haute montagne, là où il y a la chaîne des Alpes, on dirait. J'ai trouvé celui de... je sais pas ce que c'était. Ça faisait des canyons, on aurait dit. Et il faudrait que j'en trouve un dans la plaine, peut-être, maintenant. Enfin, j'ai vu des screens où il y en avait qui étaient encore sur des montagnes, je sais pas. On verra bien. On va essayer, on va chercher. Et maintenant, je suis perdu. Et je sais pas comment retourner chez moi maintenant. Là, il y a cette grande montagne, mais je sais pas. Je pose quoi le sert. Sur mon chemin, j'ai encore eu beaucoup de cavernes où il y avait des masses de champignons dedans, mais. Oh, je me suis pas bien embêté à tout ramasser parce que c'est pénible à force. Moi, comme en bon français, je mange du pain. Ah d'accord, je crois que apparemment les ocelots tuent les poulets parce que j'ai trouvé des trucs de poulets par terre. Pourtant, c'est pas moi qui les ai tués. Allez.
C'est affreux d'évoluer là-dedans parce qu'il y a des lianes de partout, alors à peine t'essaies d'avancer, ça te pousse en l'air et c'est affreux. Oh là là, c'est la misère. Bon, maintenant on va essayer de retrouver le chemin. Non, sans mal, bien sûr. Alors, on va vérifier la théorie des XP sur le charbon, voir si ça en donne. Eh ben non. J'avais lu dans les trucs de pré-release et tout que ça devait donner une boule d'XP par... Mais bon, apparemment non. Je vous le dis, là, je sais pas où je vais. Donc, je pense que on va explorer un petit peu cette jungle encore. Je vais essayer de l'explorer avec vous. Et si je, au cas où je trouve quelque chose, et puis si vraiment je trouve rien, je rentrerai chez moi ou non. Non, je vais pas rentrer chez moi parce que non. Enfin bref, on verra que si je coupe ou pas. Ouais. Pour l'instant, je longe l'île, la grande île de The Forgotten Land. Là, il y a ce truc, cette sorte de pyramide, je sais pas ce que c'est. C'est très suspect, je trouve. Et bon, on va casser. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire quand il a créé sa map, mais ça me paraît suspect. On va voir ça tout de suite, s'il y a quelque chose. Non, apparemment non. Bon. Comme d'hab, je suis parano, je trouve des trucs, j'ai l'impression de trouver des trucs de partout. Enfin, en même temps, vu le sadisme de cette map, parce que cacher des coffres au fond d'un lac, faut être sadique pour faire ça, donc le gars il est bien capable de faire des choses comme ça. Hein. Enfin bref, il a créé une map magnifique, donc je le respecte quand même, le gars. Oh là là, mais c'est impossible d'avancer là-dedans. Oh là là, il faut toujours détruire quelque chose. Tiens, miaou. Miaou. J'ai envie de tuer un chat, moi. Non, allez. On va faire brûler un chat plutôt avec mon épée Fire Aspect. Miaou, miaou. Il clame. Ah, il y a des trucs. Il y a encore du. Il y a encore la jungle là-bas. Mais c'est impressionnant. Mais. Pff, c'est quoi ce biome jungle qui nous a fait? Ça fait trois fois la longueur de l'île. Ah. Une guitrouille. Citrouille isolée. Je sais pas, il doit bien y aller. Encore une fois, je pense que c'est suspect. On va aller voir ça tout de suite. Et bien sûr, ce n'est pas suspect. Et oui, parce que je suis un grand rêveur. Et on va aller voir Steel là-bas. Oulala. Oh punaise. Ah ouais. Donc là, vous entendez ma chaise qui grince aussi. Et ben, on va aller là-bas. Hein. J'aurais été bien tenté de me faire un bateau parce que j'ai pas tardé à crever de faim, tout simplement. Et j'ai plus de bouffe. Plus du tout. J'ai bouffé mon poulet un peu là et voilà, j'ai attrapé la grippe aviaire. Allez, et en plus c'est la nuit et à peine je vais arriver sur l'île je vais crever parce qu'il y a des zombies qui vont me poutrer, mais bon, c'est les risques du métier, me direz-vous. Allez, on avance. Je vois sur le compteur du Skype qu'on en est à 11 minutes, donc ça va, il y a le temps, encore. Je vais faire un petit épisode de 15 minutes aujourd'hui. Putain, c'est vraiment magnifique ce qu'il a fait. Le gars, il a passé des heures sur World Painter. Tiens, crame la vache. Ah bah tiens, tu me donnes du steak en plus. Ah, c'est bien ça pour la chasse. Pas besoin de faire cuire en moins. On va faire cuire des vaches avec mon épée. Tiens, il y en a là-dedans. Toi, tu crèves. Toi aussi. Et toi aussi. Mais c'est parfait, ça. Plein de steaks grillés gratos. Ah, le chat, il fait partir le creeper. Merci, Minou. Regardez le creeper. Tiens. Putain, c'est trop bon, Clockback. Ça les envoie des lieux.
Tiens. Oh, le bruit des chats est tout à fait horrible. Et bien sûr, cette île, il y a, devinez quoi? Rien! Et allez, je me fais agresser par des hordes de zombies. Toi, tu vas cramer. Je vais la regretter, cette Fire Aspect. Hein. Allez, je l'ai one-shot en plus. Tiens! Oh là là, mais c'est quoi ce truc? Il y a combien de zombies? Ah, bataille de d'archers. Ah, un creeper. Ah, ah, je crois que je vais me creuser un trou à rats en fait, parce que oui, ça risque d'être chaud, et bien sûr dans le sable ça va être bien encore, ça va être encore plus chaud. Donc on va creuser en dessous de nous et on va faire ça. Allez, ouais. Ah d'accord. Je me disais, oh, sur la vidéo ça fera bien. Voilà, vous venez d'entendre Coco 80, mon fidèle spectateur. Bon bah on va passer le reste de la nuit ici en attendant. On joue. Hein? Pourquoi il tire des flèches, c'est trop de balles. Bon. En bref. Allez. Je vous reprends dès que le jour est levé. A toutes. Re les amis, ça y est. J'ai entendu un zombie brûler. Donc je crois que le jour est bien bel et bien levé. Oui, c'est bon. Et un petit. Oh là là, un creeper qui m'attend en plus. Qui va venir m'exploser à la tronche. Toi, l'araignée, tu vas... Hein? Ça m'a donné de l'exp... Crever. Ah, un Enderman. On va essayer de se le faire. Allez, c'est bon. Ah, y a du creeper. Tu veux venir mourir, toi aussi? Ouh, je l'ai envoyé à 15 km. Bon ben, je suis allé sur cette île tout simplement pour rien. Pourquoi les zombies ne brûlent pas? Il y a 15 archers qui m'attendent dans l'eau en plus. Oh là là, oh là là, cette armée de zombies qu'il y a. Oh, oh là là, moi je me tire. Hein. Allez, et puis on va pas tarder à finir l'épisode, je pense. Donc, je vous dis bah à la prochaine vidéo, au 9e épisode. Et d'ici là, continuez de regarder mes vidéos. Merci pour votre soutien à tous. Et je vous dis bye bye à tous. Allez.